Salut, salut tout le monde, c'est T6 Gaming ou Maker, appelez-moi comme vous voulez, c'est comme vous voulez, c'est vous mes abonnés, vous décidez, voilà, tout simplement. Moi, mon pseudo c'est T6 Gaming, après voilà, vous, si pour vous je suis toujours T6 Maker, tant mieux, parce que là on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Windows 8. Alors, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment désactiver la barre des charmes. Alors, qu'est-ce que c'est la barre des charmes? C'est cette putain de barre. Alors, pourquoi? Oui, là, je suis très vénère. Parce que la dernière fois, enfin, ça m'arrive plein de fois de vouloir cliquer quelque part. Alors, sans faire exprès, je vais là. Et du coup, avec le clavier, je clique là. Ça m'amène à l'accueil. Ensuite, je clique sur une autre application. Ensuite, ça me fait bugger l'ordi. C'est vraiment casse-couille, hein, vraiment, hein, je vous promets. Donc, je crois que je suis pas le seul, excusez-moi, à qui ça fait péter les plombs. Alors, je vais vous montrer de suite l'astuce. Alors déjà, vous allez aller dans Démarrer, ou alors, ici, dans Rechercher, et vous tapez ici, Regedit. Ensuite, vous allez avoir ça, vous cliquez dessus, vous allez cliquer là sur Oui. Excusez-moi. Et ensuite, bon, hop, juste, vous cliquez sur Key Current User, là. Ensuite, vous allez sur Software. Vous cherchez ensuite Microsoft, qui se trouve là. Vous faites dérouler, c'est-à-dire vous cliquez sur la petite flèche. Ensuite, il faut chercher Windows. Et là, vous allez sur... Oui, non, donc quand vous êtes là, vous cliquez bien sur Current Version. Donc quand vous faites dérouler Windows, vous cliquez sur Current Version. Ensuite, vous cherchez Immersive Chill. Donc, hop, il est là. Là, on a fait dérouler ici. Donc, il est là. Bon, il est là. On fait dérouler. Après, donc là, c'est là que ça va se compliquer un tout petit peu. Parce qu'on va tout simplement toucher un petit peu au système et au réglage. Alors vous allez aller dans édition, nouveau, clé. Ensuite la clé, vous mettez une majuscule, Edge, et après vous faites UI. Et ensuite vous cliquez quelque part dans le vide pour pouvoir activer ça. Donc voilà, si vous remarquez, hein, c'est juste voilà, c'est juste ça, hein. Il n'y a rien de spécial. Donc après avoir fait ça, vous allez cliquer sur Edge UI, vous allez aller ensuite sur édition, nouveau, valeur du work, 32 bits, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez le renommer Disable Charm Int. Alors moi j'ai fait copier-coller, je me suis pas fait chier, oui, mais je vous mettrai, oui je suis flemmard, hein. Je vous mettrai le, si vous voulez, tout ce qu'il y a à écrire, donc Edge UI et ce texte là pour pas pouvoir vous emmerder et pour être sûr de pas faire d'erreur, je vous mettrai dans la description ces textes, comme ça vous copierez, vous collerez. Et ensuite faut tout simplement double cliquer sur Disable Charm Int et la valeur vous la mettez à 1 et vous faites OK. Quand c'est terminé, on peut quitter. Et là, vous pouvez voir que quand on va sur le côté, il n'y a rien. Pour que la barre des charmes s'affiche, il faut tout simplement aller sur le côté et descendre votre... Voilà, hop là. Hop, aller sur le côté et vite descendre le curseur vers le bas. Comme ceci. Voilà, et là, on a la barre des charmes. Mais si on va ici ou ici, on l'aura pas. Et vous voyez, je suis sur le côté là, il n'y a rien. Voilà. Bon, ben sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et lâchez un petit commentaire si cette vidéo vous a aidé et si, à vous aussi, la barre des charmes vous cassez les pieds. Voilà. Alors, je vous dis à plus tard et puis passez une très très bonne nuit. Ouais, parce que, vous voyez, je fais toujours mes tutos à 2h30 et c'est incroyable quand même. Allez, salut.